descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne à cheval. Et bien, salut mes lapins, c'est Jojo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir ou le déplaisir de vous retrouver sur H1Z1, le jeu qui fait parler de lui en ce moment. Hein. C'est un jeu de survie en monde ouvert, avec des zombies à la manière d'un DayZ ou d'un WarZ, enfin plutôt Infestation Survivor Stories. Donc c'est développé par Sony Online Entertainment. Et bah écoutez, c'est l'anarchie, voilà, c'est n'importe quoi ce jeu. Alors je sais bien qu'il est en alpha, blablabla, blablabla, mais c'est vraiment un départ catastrophique, hein. Je pense que j'ai rarement vu ça dans un jeu. Alors écoutez, on va essayer de se promener un peu à droite à gauche, hein, voir si on peut trouver de quoi survivre. Ah, j'ai cru voir un survivant là-bas courir. Le jeu est assez vide pour l'instant, bon bah ça on peut l'excuser, graphiquement c'est pas super beau, on peut l'excuser aussi à la rigueur, mais c'est vraiment le principe, hein, la manière dont ils ont fait les choses qui me dérange beaucoup. Tenez, regardez, là il y a un autre survivant d'après ce que je vois, parce que les serveurs sont blindés, hein, on est 300 ou 400 sur chaque serveur, enfin c'est vraiment abusé, il y a quelques petits micro-lags de temps en temps. Voilà, regardez, là par exemple peut-être qu'on va trouver quelque chose. Alors c'est possible qu'il ne se passe rien durant cette vidéo. Là je vais courir pour essayer de trouver une bouteille d'eau, je ne sais pas, quelque chose, j'en sais rien parce que ça va être vraiment abusé. Alors c'est un jeu PVP, hein, majoritairement on doit se friter entre joueurs, mais la plupart du temps les mecs sont pas trop méchants, dans le sens où le jeu vient à peine de sortir. Et je vous l'ai dit, c'est vrai, ça risque de ne pas être une vidéo vraiment très intéressante. Alors je vous montre quand même, on a accès à son inventaire ici, on peut changer la vue, hein, vue FPS, on peut mettre des coups comme ça. Là je crois qu'il va commencer à faire nuit, on dirait, hein. Attendez, je me remets en vue, voilà, comme ça. Alors, on a pareil, comme je voulais vous montrer, on a la barre de santé, le running, la bouffe, l'eau, enfin bref, il n'y a rien. Franchement, ils ont strictement rien inventé. Non seulement ça, ouais, ils ont rien inventé, et en plus, ça s'annonce vraiment, vraiment moyen. Alors, reste à voir dans un ou deux ans, hein, peut-être. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment gêné, et je l'ai acheté, je l'ai acheté, donc c'est aussi de ma faute, c'est que l'alpha est vendu 19€, et ensuite, le jeu sera gratuit, et ça sera un pay-to-win. C'est-à-dire que vous pourrez télécharger et jouer au jeu gratuitement, mais pour faire la moindre action, pour avoir une chance de survivre, il faudra payer, voilà. Donc ça c'est un petit peu le truc qui me vient de regarder là-bas, il y a un zombie, je vais essayer de passer par là, voir si je peux choper 2-3 conneries. Alors là, il y a quelque chose en dessous, je crois, donc je vais aller faire un petit tour ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques micro-lags à droite à gauche, c'est un petit peu chiant. Voilà, le jeu est vide de chez vide, et ça sera comme ça, c'est-à-dire que quand vous aurez le jeu, même plus tard, je suis persuadé que ça va rester comme ça, dans le sens où il faudra payer pour avoir des tickets airdrop, on appelle ça, hein, en gros, pour se faire livrer une M4 ou autre chose, voilà, faudra mettre la main au porte-monnaie, et ça me dérange beaucoup, vous voyez, enfin, déjà, bon, graphiquement, je sais bien que c'est qu'une alpha, mais honnêtement, j'ai déjà vu plus beau sur PlayStation 2, hein, à l'époque, bon, voilà, pour l'immersion, c'est pas vraiment ça, les bruits sont plutôt pas mal, hein, pour l'instant, de ce que j'en ai vu. Attendez, je vais essayer de... Ah, ah ça, il veut... Voilà, regardez, je peux mettre des patates. Je peux mettre des patates à la biche, vous voyez. Alors là, apparemment, c'est des maisons qui ont été fouillées déjà, donc ça, c'est pas terrible. Et j'ai cru voir un zombie là-bas, ouais, donc je vais essayer de l'éviter quand même, parce que s'il me chope, je pense que je vais me faire défoncer. Là, il commence à faire nuit. Donc écoutez, on va aller visiter des maisons. Celle-là, c'est déjà fait. Que dès que les portes sont ouvertes, hein, logiquement, ben, on l'a un petit peu dans le cul. Parce que ne serait-ce que trouver une hache dans le jeu, c'est pas évident du tout. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, c'est... si vous voulez de l'action, ça sera pas dans cette vidéo. Tenez, là, il y a un autre survivant, apparemment, je sais pas ce qu'il fait. Il a déjà dû fouiller la baraque. Je vais faire peut-être un petit tour à l'étage. Ouais, tout a été pris, hein, déjà. Putain, il y a vraiment... c'est vraiment la catastrophe, hein, il n'y a rien du tout. En gros, je peux aller me faire voir, c'est ça, hein, c'est ça, bordel de merde. Mais donc voilà, c'est, je voulais quand même vous mettre en garde, hein, si vous achetez le jeu, bah, voilà, hein, je pense que mon rire en dit long sur la nature du truc. Ça risque de vous décevoir et de vous fâcher un petit peu, ça risque de vous fâcher même grandement. Bon, l'early access, voilà, avoir accès à quelque chose et participer à son développement, je veux bien, je veux bien. Par exemple, regardez Rust,
de trucs. Le jeu, sans déconner, ça c'est un zombie, ça non? Non, je sais pas, sinon c'est un survivant. Rust, par exemple, j'ai déjà fait des vidéos dessus, des lives même. C'est un jeu qui est développé par. Allez, je crois qu'ils sont deux ou trois grand maximum. Enfin bref, c'est vraiment un petit truc, voilà. Et pourtant, le jeu est très bon. Il était jouable dès l'alpha. Putain, l'alpha était déjà gigantesque. Alors que là, c'est quand même Sony Online Entertainment. Hein, on est d'accord. Donc c'est quand même Sony qui est derrière. Et regardez ce qu'on se tape. Hein, lui, c'est quoi ça? C'est. Il a fait un feu ou. Ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'on peut faire cuire quelque chose dessus. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fait. La nuit commence à tomber en plus. On voit la lune et tout et tout. Donc voilà quoi. C'est. Et voilà, moi pour 19€, je me suis senti, excusez-moi du terme, hein, mais je me suis senti clairement baisé. Regardez, j'ai beau faire... Enfin voilà quoi, puis même, vous avez vu, allez, on peut aller essayer de se faire un zombie quand même, quitte à lui mettre des coups de poing et à mourir. De toute façon, vu la gueule du jeu, voilà, je pense pas que je vais être vraiment dégoûté de crever. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein, parce que je ne trouve rien, hein, vous l'avez vu de toute façon. Alors attendez, je vais essayer d'aller là. Voilà, là il y a un zombie, regardez. Hop, on va aller voir le zombie. Je vais me mettre en vue comme ça. Peut-être que je pourrais lui mettre des patates. Voilà, allez, on lui met des petites patates comme ça. Regardez, on voit même pas les coups qu'il me met. Je suis quasiment mort, voilà. Apparemment, je suis déjà en train de mourir. Voilà, bon. Là, il est mort. Apparemment, je suis en train de saigner. Voilà, alors, est-ce que je peux fouiller les zombies? Non, je ne peux sûrement pas. Voilà, d'accord, ok. Donc voilà, là vous avez eu un contact avec un zombie, hein, quand même. Si, j'ai une lampe torche quand même. Ah bah si, quand même. Faut bien que je puisse éclairer des trucs où il n'y a rien à prendre. c'est quand même la moindre des choses, hein, vous voyez. Ah mais c'est ce que je me dis, enfin, je sais bien, je m'imagine, toi. Quand ils sortent un jeu comme ça, je m'imagine, putain, en situation de survie, tu vois. Bah je sais pas, tu prends une chaise et tu casses la chaise. Tu vois, enfin j'en sais rien, tu casses la chaise pour prendre un pitch-chaise, ça te fait une arme. Et là non quoi, là tu peux même pas prendre une branche, enfin... C'est ça qui est complètement débile, c'est quand je vous dis qu'il y a rien, il n'y a rien. Et pour une alpha, comment voulez-vous qu'on teste réellement le jeu alors qu'il y a que dalle? Alors je vois des mecs souvent avec des pistolets de temps en temps qui se promènent, une hache, et puis basta quoi. Mais c'est tout, c'est tout. Regardez là, je vais continuer à courir. En espérant tomber sur une ville ailleurs, ou j'en sais rien, des bâtiments, je vois rien. On va continuer, peut-être qu'on va tomber sur quelque chose, hein. Voilà. J'essaie de me rassurer, et puis de vous rassurer aussi, parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous dites, bah super, un jeu avec des zombies. Mais non, malheureusement, bah voilà, quoi, enfin, c'est... Il peut être bien, hein. Après voilà, comme je dis, c'est qu'une alpha, mais c'est la manière dont eux, ils procèdent qui me dérange. C'est pas le fait de payer une alpha, parce qu'il y a des alphas qui sont excellentes. C'est voilà, c'est la façon dont ils font leur truc. Et je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête. Je pense que c'est le lancement le plus raté de l'histoire dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, selon moi. Pire que War Z, hein. Honnêtement, c'est pire que War Z à l'époque, hein, quand il était sorti. Voilà, regardez, j'en suis réduit à taper des animaux. Putain, elle m'a filé entre les droits, mais violent quoi. Et voilà quoi. Donc c'est The Deception, comme on dit dans le jargon. Voilà, j'ai plus qu'à marcher. Peut-être rencontrerai-je d'autres zombies ou d'autres survivants, je ne sais pas. Voilà, donc la map est très très à l'américaine, hein. C'est voilà, ça reste moins, parce que par exemple dans DayZ, on sent que c'est vraiment bah, ça se passe dans les pays de l'Est. Et alors que là oui, c'est typiquement l'américaine. Alors on peut fouiller normalement les véhicules, non, je ne sais pas. Voilà, regardez, là j'appuie sur E et à chaque fois que vous allez faire ça, il n'y aura rien. Dans aucun véhicule, vous allez trouver quelque chose. Hein, mais vraiment, je vous garantis. À chaque fois, bah, si vous rentrez dans une maison, vous pourrez trouver une hache, par exemple. Voilà, enfin bref. Donc là, je suis sur PC et le jeu sortira aussi sur PlayStation 4. Voilà, étant donné que c'est Sony. Mais honnêtement, si vous avez que la Xbox One ou si vous n'avez pas de console ou pas de PC, enfin, voilà, vous pouvez faire tourner les jeux Sony, bah, vous loupez pas grand-chose. Hein, pour l'instant, voilà, c'est 19€ dans le vent. D'ailleurs, les développeurs ont proposé de rembourser les joueurs. Enfin, hein, le chef de Sony Online Entertainment a proposé de rembourser les joueurs. Ce que je vais faire d'ailleurs, parce que c'est hors de question que je me fasse entuber, hein, honnêtement, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est hors de question que je me fasse entuber de 19€ pour cette daube. Je le dis clairement. Voilà. Et je suis dégoûté, quoi. Vous le sentez? Vous savez, ça racle au fond de la gorge un peu, quoi. Ça racle au fond de la gorge, quoi.
Ah, puis j'ai des micro lags alors que j'ai quand même une sacrée config, bah ça c'est le problème de l'alpha. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on a rien pour s'amuser quoi. On a rien quoi. À part un zombie tous les 10 km, là peut-être que voilà, je vais aller fouiller les stations service, sait-on jamais, hein, on pourra peut-être trouver quelque chose. Alors là j'ai plus de stamina en bas à droite, hein, vous pouvez le voir. Donc ça craint un petit peu, c'est-à-dire que je peux plus courir, faut que j'attende que ça se remette, voilà. Bon là, peut-être que je vais trouver quelque chose. C'est quoi ça? Non, ça c'est un survivant, bon c'est-à-dire que je vais rien trouver, voilà. Là vous vous dites, bon bah que Jojo, tu vas trouver une canette, une bouteille d'eau même vide, mais non, vous allez voir, je sais pas, c'est peut-être une alpha pour uniquement des... Enfin, là je sais même pas quoi vous dire, j'en sais rien, ça c'est quoi ça? En petit bottle, voilà. Ah, une bouteille vide, je peux même pas la prendre parce qu'elle est vide, donc... j'ai entendu un truc là où je rêve. Non. Je sais pas, j'ai cru entendre quelque chose. Ah d'accord, ok. Hello. Hello, hello. Ah d'accord, on peut péter les caisses, ça c'est pas mal ça. Ouais bah... C'est vrai que c'est pas mal, on peut casser des caisses. Ah! J'ai cru voir une planche là. Elle est pour moi. Non, le bâtard, il l'a pris ou pas? Oh l'espèce d'enculé, c'était ma planche. Il m'a pris la planche. Espèce de petit enculé, va. D'accord, alors lui, il a carrément traversé le mur, quoi. Je sais pas si vous avez vu. Ah non, il est là. Bon, bah ça c'est les bugs de bêta, hein, on va dire ça comme ça. Et là, peut-être que si on voit de l'autre côté. Est-ce qu'on peut péter ces planches? Non, apparemment on ne peut pas. D'accord, bon bah il a volé ma planche, hein, que j'ai trouvé dans une caisse quand même. Dommage. Bon, est-ce qu'il y a de l'essence ici? Bonjour, j'ai une 205, est-ce qu'il y a de l'essence? Non mais voilà, c'est dommage. Là, il y a des caisses. Ah bah peut-être. Peut-être qu'en cassant des caisses, nom de Dieu. Non, celles-là, elles ont l'air peut-être un peu trop solides, hein, non? Non, celles-là veulent pas casser. Ça, c'est des caisses incassables, on appelle ça. Peut-être qu'on va regarder là. Putain, ouais, puis il y a d'autres survivants. Je vous dis, on est plein sur les serveurs pour trouver le moindre truc. Ça va être horrible. Ouais, je vais essayer de péter des caisses aussi. Apparemment, ça marche bien, de ce qu'on m'a dit. Non, mais lui, alors lui, il a des caisses qui se cassent, et moi, j'ai des caisses qui cassent pas, quoi. C'est quand même incroyable, bordel de merde. Laissez-moi passer, là. Attends, pousse-toi. Tiens. Ouais, il a dû faire la maison, déjà, je pense. Tenez, celle-là, elle est pour moi. Peut-être, allons-nous trouver quelque chose. Ah, c'est quoi, ça? Non. Eh ben non, y a rien. Ça c'est fabuleux quand même. Alors oui, je vous ai pas dit, il y a aussi des loups, des ours qui peuvent vous attaquer, voilà. L'autre coup, j'ai testé le jeu vite fait, mon gars, je me suis fait agresser par un ours, il était dans une maison. Voilà, il était dans une maison mais bloqué avec les portes fermées, tu vois. Donc il a dû rentrer par la cheminée, tel le Père Noël. Mais voilà quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Oh, ça me paraît bien vide tout ça. Ah, une caisse, ça c'est pour moi. Attends, je vais me mettre en vue intérieure, peut-être que ça va m'aider. Non? Donc ça, c'est ça aussi, voilà, vous voyez, ça c'est une caisse incassable. Par contre, c'est bien fait. Je sais pas si vous voyez, on voit bien le bois se casser. Non mais putain, quoi, c'est abusé, sérieux. Oh là là. Ah! Ah ouais! De l'eau. Ça, elle est pour moi, celle-là. Ça, voilà, au moins ça, ils me la voleront pas, c'est ma bouteille d'eau. Ouais bah écoutez, je crois que j'ai plus qu'à continuer, alors peut-être qu'on va voir quelque chose dans la vallée. Dans la vallée, oh. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui là-bas là? Et ça c'est le genre de mec qui trouve tout le temps des trucs. Tu sais, lui il commence la partie, il va tomber sur une M60. Ah là il y a un zombie en bas, là-bas. Je sais pas si c'est un... Ouais je crois que c'en est un. Hein. Je vais continuer sur la route. On the road again. Non mais voilà, enfin, je vous mens pas, vous voyez, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je veux persister. Je veux persister pour vous prouver que j'ai raison, que c'est abominable de vendre un truc comme ça à 19 euros. Même une alpha, putain, enfin, on n'a pas le même... Enfin, voilà.
On n'a pas le même concept d'alpha dans la tête. Ouais. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. Ah, un zombie. Ah merde, ça a pas l'air d'être mon pote. Ah bah d'accord, le zombie s'en va, bah moi aussi alors, je vais m'en aller. Coucou le zombie, coucou. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il cherchait une... Non, bah pourquoi il se barre comme ça? C'était malade. Regardez le zombie. Regardez, il a peur de moi. Oh là là. Ah non, mais j'hallucine quoi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ces trucs quoi? Ah, à tous les coups, ils ont dû mettre l'intelligence artificielle d'un animal dans le jeu. Parce que les animaux, quand on s'en approche, genre les daims, les biches et tout, ils s'enfuient. Donc je pense qu'ils ont dû faire... Ouais, enfin voilà, c'est encore un bug de plus. Mais bon, ça, à la rigueur, je n'en veux pas. Ce n'est qu'une alpha, je le répète. C'est pas ça qui est bien méchant. Je cours, hein, je cours. Voilà, en espérant trouver quelque chose sur la route, je ne sais pas. Il y a des camps de gitans aussi, hein, ça, il y a des camps de caravanes parfois, mais il n'y a rien, hein, on ne trouve rien. Il y a des voitures, mais bon, je peux tenter de fouiller, mais je trouverai rien, vous verrez. Hop, voilà, je regarde. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, donc j'ai plus qu'à continuer ma route on the world again. Et je pense que même si j'allais au fin fond de l'Afghanistan dans une montagne, je trouverais plus de trucs que dans ce jeu quand même. Ah, ça, ah bah oui, parce que moi je pourrais prendre un caillou pour me défendre, ouais. Alors que là, non. Je sais pas, regarde, un mec qui est pas con, il voit un zombie, je sais pas, t'arraches le panneau, enfin bref, ça te fait une arme ça, tu vois, ça te fait une arme. Ils auraient pu implémenter un système comme ça, je sais pas, où tu peux prendre un... Histoire juste de foutre des coups et de te barrer, tu vois, je dis pas pour tuer un zombie forcément. Mais là non, quoi. Alors là, est-ce que dans l'éventualité, je vais trouver une ville? Oh là, il y a les vieilles musiques qui te mettent des coups de pression. Alors là, d'accord, il y a un petit lac presque à sec, le petit lac. Non. Non, là-bas. Alors, je vous explique aussi, parce que, oui, le jeu est en QWERTY. Apparemment, il y a un moyen de mettre le jeu en AZERTY, donc avancer avec Z, de se déplacer, enfin, aller à gauche avec Q, à droite avec D, et voilà. Alors que là, non, non, moi, j'y arrive pas, ça ne marche pas, donc je suis obligé d'avancer avec W, d'aller à gauche avec A, d'aller à droite avec D, et reculer avec S. Donc, en fait, mes doigts, ils font une sorte de sac de nœuds quand je joue. On dirait, vous savez, la main du majordome dans Scary Movie 2, quoi, quand je joue, quoi, c'est limite comme ça, quoi, c'est, ah non, non, mais, alors, oui, j'ai un truc que je vous ai pas dit, apparemment, on pourra prendre des véhicules aussi, ça, c'est bien, ça, on pourra prendre des véhicules, donc, c'est une bonne chose, pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur, personnellement, parce que quand je suis monté dedans, une fois, il y avait besoin de pièces pour le réparer, hein. Le truc était flambant neuf, mais, voilà. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, ici. À moins que je loupe des choses, hein. Il y a peut-être des putains de grandes villes et tout, hein. Hein, dans les montagnes, je sais pas, c'est possible. Ah, est-ce que ça sera un zombie là-bas? Qu'est-ce que c'est? Non, je crois pas que ce soit un zombie. Ah, bah je vais lui dire bonjour, attendez, j'active le micro. Hello, hello. Do you have just a weapon for me? Do you have a gun or hatchet or baseball bat, please? Ouais, il a pas compris, il s'est dit c'est qui cette espèce de merde? Ah non, mais c'est pas possible. Putain, il baisse comme... Tu sais, il m'a regardé, il s'est dit ouais, cool et tout. J'ai commencé à lui parler, il a eu peur, quoi. Putain, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Peut-être que... Est-ce que j'ai de l'eau, là? Je vais boire de l'eau, quand même, parce que... C'est quoi ça? Gauze. J'utilise de la gauze, c'est de la gaz à mon avis pour se soigner, j'en sais rien. J'ai une bouteille vide, une flare, ouais bah la flare ça va pas me servir à grand chose. Écoutez, je continue à avancer dans la nuit parce que bon voilà quoi. Je suis désolé, hein, mais bon, voilà, c'est le jeu, hein, je vous montre, hein, après, après, entre potes, ça peut être marrant, parce que vous serez au moins, vous trouverez rien, mais vous serez à plusieurs pour rigoler, voilà.
Alors que là, bon, je suis derrière mon micro, je suis tout seul à parler la nuit dans la rue comme ça. Voilà, quoi, je suis un peu mal. Alors, là, souvent, en dessous les ponts, il y a peut-être des trucs à récupérer. C'est quoi ça? C'est un zombie là-bas, non? Ouais, non, c'est un survivant. On va aller le voir. Qu'est-ce que c'est un survivant? Hello, hello. I need. Hello, dude. I'm French and I need help for my video. I just want a hatchet or baseball bat for kill zombie. Do you have this for me? Nope, just my machete, sorry. Ah, ok. Thank you, dude. Have a nice day. Voilà. À Vous bientôt. voyez, il a à peu près compris ce que, il a compris au moins ce que j'ai voulu dire, mais il avait juste sa machette. Mais où il l'a trouvé, sa putain de machette, hein? Où? Il y a des petits coups de musique qui mettent des pressions, genre ça fait. Ah, alors là, je vais regarder. Il y a peut-être marqué quelque chose sur la carte, non? Attendez, je recule avec aise, voilà. D'accord. Ok, d'accord. Bon. Je fais genre que j'ai compris où j'étais alors que pas du tout. Oh, peut-être là-bas. Nous allons peut-être trouver quelque chose. Il y aura peut-être des caisses à casser. Oh. Ah bah voilà, là je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose à mon avis. Vite, 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 je dois trouver quelque chose. Laissez-moi passer. Il est où le stuff? Il est où le stuff? Ah. Ah bah voilà, ça je peux prendre ça, des planches ça. Voilà, regardez. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je peux prendre des planches. Là, il y a ça. Alors ça, je crois pas que ça, c'est des caisses incassables, normalement. Ah, voilà, encore une planche. Merveilleux. C'est merveilleux. Attendez, j'avance. Non, alors les grosses, on peut les casser, mais les petites, elles sont incassables. Hein. C'est des planches de roi Merlin, donc on ne peut rien faire. De la pluie, mesdames et messieurs, de la pluie. Peut-être là-dedans. Regarde, ça fait bien comme ça. C'est vrai que ça fait un bel effet quand même quand on regarde comme ça et tout. Voilà, peut-être qu'on se dit, on va trouver quelque chose. Hein. Une bonne surprise, comme une mauvaise d'ailleurs, c'est possible. Non, bon, je pense que je vais longuement aller me faire foutre. À mon avis, je pense que je vais me faire foutre. Ah, dans cette petite cabane au fond du jardin. Ça, c'est quoi? Des balles de 308. Voilà, déjà, j'ai des balles de calibre 308, hein, donc le 7,62 par 51 NATO, ou OTAN, si vous préférez, utilisé par les forces de l'OTAN. Bon. J'ai les balles, mais il me faudrait peut-être une arme, hein, qui plus est, de bonne qualité. Ah ouais, c'est pas comme dans Warz. Dans Warz, c'est vrai que dès que vous allez dans une maison, bah, vous trouvez au moins quelque chose pour vous défendre. Alors là, bon. Oh, mais ça, c'est de la caisse cassable. Non? Elles sont déjà cassées ou je sais pas. Essayons, hein. Sait-on jamais, hein. Non, bon, bah, c'est pas de la caisse cassable, apparemment. Celles-là ne veulent pas casser non plus. Ah, mais c'est pas vrai, quoi. Putain, alors, je peux pas passer par là. Là, je peux passer. Je suis vraiment le mec qui est trop dans la merde, quoi. C'est. Oh là 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 là. J'ai plus d'énergie, hein. D'ailleurs, vous aurez remarqué, sûrement. J'ai même plus de quoi survivre. Il me reste 4% d'énergie. Donc, à mon avis, c'est même pas un zombie qui va me tuer. Voilà. Je le sens gros comme une maison. Un puits. Ah, peut-être que là-bas. Je dis ça, mais je suis tellement dans la merde, si vous saviez. Si vous saviez. Peut-être vais-je trouver quelque chose ici. Alors là, il y a quoi? Il y a rien. Alors, tenez, regardez, je peux fouiller, hein, parce que vous allez me dire, mais Jojo, t'as pas regardé les placards des maisons? Regardez, je regarde les cabinets, et vous allez voir si je vous mens.
Voilà, une fois de plus, c'est rien. Et c'est horrible, c'est abominable. J'ai qu'une envie, c'est de mourir. C'est ce qui va arriver dans pas longtemps d'ailleurs. Écoutez, on va essayer de retourner par là. Peut-être qu'on va trouver quelque chose à manger, je sais pas. Voilà, là apparemment, je suis grave dans le caca. Regardez en bas à droite, il y a le gros point d'exclamation. Enfin, là, c'est danger, danger, là. Ah non, j'ai beau. Non, non, ça, tout ça, ça a été fouillé depuis longtemps, à mon avis. Honnêtement, c'est un peu peine perdue pour moi. Hein. Voilà, à 19 euros, vous avez un magnifique jeu dans lequel vous avez une lampe torche et vous pouvez vous promener. Ça, c'est quand même merveilleux. Ça, c'est quoi ça? C'est un zombie ou un pote? Ça, c'est un poteau, ça. Hello? Hello? Attendez, ah bah le jeu a bug. Ah bah le jeu a bug. Eh, je sais pas si vous avez vu, ça m'a fait un retour bureau de la mort. Bon bah voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine, hein, voilà. Au moins vous saurez à quoi vous en tenir si vous achetez l'alpha de H1Z1. Allez, ciao mes lapins, à la prochaine, bye tout le monde.